Du coup, pour la petite astuce, ça va être très simple. On va refaire comme un des anciens glitchs au niveau du bateau qui date franchement d'un petit peu longtemps d'ailleurs. Hey les gens et Tuxtronautes, c'est Emile. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne. Je vous fais hyper plaisir de faire cette petite vidéo en compagnie des gens. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Minecraft PlayStation 4 pour vous montrer comment être en gros un super héros dans Minecraft. Plutôt, comment voler comme un super héros dans Minecraft. Et pour vous montrer la preuve en images et en vidéo, je vous montre un petit exemple juste maintenant. Alors du coup voilà, l'exemple vient juste de passer. Alors bien sûr, avant que je vous montre la petite technique, n'hésitez surtout pas à liker cette petite vidéo, ça pourrait juste faire super plaisir. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Et du coup c'est parti pour la petite astuce. Allez, let's go. Alors avant que la vidéo continue à se prolonger, je tenais à vous dire que vous allez voir que les séquences juste après, au niveau de ma voix, au niveau de mon micro, ça va un petit peu bugger. Alors j'en suis vraiment désolé, j'ai pas pu réparer ça au niveau du montage, du coup désolé, j'espère que vous m'en voudrez pas, du coup voilà. Du coup pour la petite astuce, ça va être très simple, on va refaire comme un des anciens glitchs au niveau du bateau qui date franchement d'un petit peu longtemps d'ailleurs. Alors en fait ce que vous allez faire, c'est qu'on va se encore une fois se remunir, c'est de plusieurs seaux d'eau. Alors voilà, on va prendre tous les seaux d'eau. Et en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez refaire ces ronds et la touche L2 de votre manette. En gros comme ceci pour faire de la... si on peut appeler ça de la fake water. Et vous allez plutôt c'est n'en mettre tout le long comme ceci. Voilà, vous n'en mettez vraiment partout. Bon, parfois ça peut arriver que vous foirez, mais sinon ça c'est pas vraiment grave. Voilà, une fois maintenant que vos sources d'eau ont été mises, maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous pourrez casser votre petit bloc, pas le petit, bon, le coffre, ce petit bloc là, vous allez le laisser. Et en fait, vous allez casser juste les blocs qui se situent juste en dessous des sources d'eau. Voilà. Alors, ce que vous allez faire, c'est qu'en fait, vu que maintenant sur la nouvelle mise à jour, la Aquatic Update qui date de maintenant que ça fait un bon petit moment déjà qu'elle est là, vous savez qu'on peut nager. Et si vous tentez de sprinter, et bah vous allez nager comme ceci dans l'eau. Et en fait bah vos amis sur vos maps, ils ne vont pas voir l'eau, mais ils vont vous voir juste nager, ou même comment dire, voler comme un super héros. Franchement ça, c'est un petit bug cool à faire. Et puis je pense que ça pourrait étonner plus d'un de vos amis. Du coup voilà, j'espère franchement que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas les gens, si en tout cas elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en bombardant la barre de like, ça ferait extrêmement plaisir. Pourquoi pas vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait. Et du coup moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Emile. Et ciao! Allez, bye les gens!